ton coup de fil m'a apporté d'énormes problèmes. J'ai perdu un de mes éléments et l'une est gravement blessée. Je sais même pas si elle va survivre. Mais bon, je m'en fiche. Après tout, elle m'a trahi. Vois-tu? Mia, j'espère que Fichier est bien, non? Le doigt. Tu ne m'avais pas dit que le dossier était classé top secret. Hein? Et puis ça. Yo le can. L'information est une seule one. Tu n'as le quoi pas pareil. N'est-ce pas oublier le compte bi? Respecte la somme part de contrat. Respecte sa boss tamé. Respecte ce contrat, mon tourmenu fille. D'accord? Et puis ce dossier tout secret, Bob. Oulou, mon co. J'ai l'impression que tu viens créer des problèmes. Mais pour comprendre tout ça, il faut que nous ayons la canne. Dis-moi qui tu es. Mon Wachiman. Avec un man my or noir. Or noir, c'est vague. Je suis en train de me fichier et je suis en train de me fichier. Je suis en fichier. Je suis en train de me fichier. Attention à toi. Ma chérie, tu me menaces? Même pas. Je suis en train de me fichier. Pense bien à ce que je t'ai dit. C'est ok? Merci. Mia. Oui? Si je me rappelle bien, j'ai un boulot pour toi. Même pas dans tes rêves. Travailler avec toi ne m'amène que des problèmes. Daina. Ça ne m'intéresse pas. Au péril de ma vie, Jaralouko. Je te promets que Dara Doula Tchifek. Non, ma vie m'entend. On ne me risque sa vie. Dossier, la suite de sacré vie. Et affaire ma sœur. Non. T'inquiète même pas. Les dara doula ci fek, ma la ko garantir. Garantie? Et qui t'a dit que je te fais confiance? Tu parles de garantie. Dans ce milieu où nous sommes, qui ne risque rien n'a rien. Pas avec toi cette fois-ci. J'en ai assez. Qu'est-ce que lui m'a l'air wax ni? Suñ ko bouclé. Dara tout sax ngay benen liguey na xass bu bari la lay tégal sur la table.
comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez suspendu, non? Ce que tu dis, mais si tu vois que je suis ici, c'est parce qu'on a vraiment besoin de toi. Pour l'instant, je ne suis pas motivée. L'échec de moi, je vais mettre. C'est la première fois même, l'échec. C'est ce que tu dis, mais Khalis n'a pas de problème. Le dossier, il faut impérativement nous chercher. Je sais que c'est l'instant et l'état que tu es, on peut voir sur le terrain. Mais nous devons vraiment venir pour que nous chercher ce dossier. Tu sais que c'est ce qui est bon. C'est ce que tu dis. La raison pour laquelle je voulais poursuivre Gelbi, c'est l'hélico. Mais par la suite, vous allez me suspendre. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux rien faire pour vous. Tu sais que si je finis, je vais me faire. Le commissaire m'a dit que tu es. Si tu es mon supérieur, tu es supérieur. Donc tu as intérêt à exécuter ces ordres. Mon soldat là, je reçois des ordres et je les exécute. Mais il n'y a pas pareillement. Je vais te dire ça, commissaire. En tout cas, tu as 72 heures pour te préparer. Entre temps, je vais les localiser. Après, nous envoyons les données. Bonne soirée. Comment t'es entré ici? Zena. Je vois que c'est moi qui me donne. Si tu savais qui je suis, tu ne me poserais pas cette question. Tu as intérêt à me dire que tu es. Mais parle, sinon... Sinon quoi? Sinon quoi, Zena? Tu sais quoi? Ce que j'ai fait là, ça va directement dans ton intérêt. Alors, assurons-nous. Je suis vraiment désolée, mais je ne vais pas m'asseoir avec toi. Et pour la dernière fois, vite les lieux. Quelque chose, l'agent spécial Zena de classe exceptionnelle qui vient de perdre pour la première fois une mission très importante. Tu as vraiment besoin de moi. Assieds-toi. Tu as toute mon attention. Je t'écoute. Je n'ai pas l'habitude de parler avec des gens qui n'ont pas connu ensemble. Alors, tu as versé tout ça, hein? Ton ennemi, tu peux me considérer comme un allié que tu n'as jamais eu. Je te connais bien, je te connais plus que tu te connais toi-même. Alors fais-moi confiance et on fera des merveilles. Tu fais que bluffer. Que sais-tu de moi? Je bluffe. Tu trouves? Alors écoute-moi attentivement. Tu étais calme.
douce. On t'appelait la chouette. Tellement tu étais tranquille. Tout le monde t'aimait. Depuis lors, tu as décidé de faire en sorte que personne ne subira l'injustice tant que tu pourras quelque chose. Tu es venu rejoindre les forces spéciales, tu t'es battu et tu es devenu la meilleure agent. Mais qui es-tu? Comment tu as fait pour savoir tout cela? Et qui t'informe? Calme-toi, Zeina. Tu devrais faire attention. Mais bon, laisse tomber. Et parlons de l'intérêt de ma visite. Tu sais, la loi de la physique nous dit que tout corps diffère de sa masse possède de l'énergie. Lavoisier nous dit aussi que dans la nature, rien ne se perd et rien ne se crée. Tout se transforme. Mais les substances ne sont pas les mêmes, tu le sais. C'est la raison pour laquelle un gramme d'uranium confère la même énergie que 2000 tonnes de bois. C'est extraordinaire. Quelle force. Mais c'est pas aussi sublime que ma toute nouvelle création. Dieu. Cadeau. Avec ça, je te garantis une augmentation de 25% de ta force physique, 15% de ta force mentale et 5% de tes sens. Et tes adversaires ne pourront plus avoir le dessus sur toi. Alors, tu sais quoi? Je veux que tu me remballes tous tes clics et tes claques, monsieur le soi-disant scientifique. Et que tu sors de chez moi. Je n'ai aucunement confiance en toi. Khamoli Khawde, tu n'as absolument rien compris. Mia, retiens-le. C'est un fait. Mais la mystérieuse femme, or noir, tu ne connais pas encore. Sa forteresse est blindée. Il y a des gardes partout. Tu as besoin de moi pour réussir cette mission. Alors, qu'elle nous refuse Kado Boutolni et que man ak yow, amuñu intérêt à ce que nga échoué mission. Ce fameux fichier là, tu as intérêt à le récupérer. Alors, tu as besoin de moi et tu as besoin de ça.
xamé nga ma yow xana muso dekk jango bi toj dekk bi yow da nga dof wala te mu dig yeb yakul a cause de toi fu mu dugg police yi wacc fi photo yi mo photo legi tax na mission mo def lu yak ko tuma lenen fenen fu ma jëm lu ma def day yak fu ma wacc police yi yaangi Tu vas me la payer très cher.